Bonjour les fines bouches. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'oignon grelot, dit aussi oignon saucié. C'est le petit oignon. Il est tout petit, il est très très bon, mais pour ça, il faut le glacer. On va voir comment faire un oignon glacé à blanc et ensuite comment faire un oignon glacé à brun. À blanc pour les sauces blanches, blanquette de veau, poulard suprême si vous voulez en mettre, etc. Et glacé à brun pour les sauces brunes, bœuf bourguignon, sauté de veau, etc. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser des petits oignons glacés à blanc ou à brun? Il faut des petits oignons évidemment, du beurre, du sucre, si possible en morceaux, un peu d'eau et du citron. On allume notre feu dans une petite casserole. Réalisation. On prend nos oignons et on les verse dans le fond de la casserole. On essaye de faire en sorte de n'avoir qu'une seule épaisseur. S'il y en a un peu plus, on prend une gamelle plus grande ou on les retire. On mouille avec l'eau à mi-hauteur des oignons. Pas plus. On y met 3 morceaux de sucre. Une belle noisette de beurre. Un morceau de citron, on y met le jus. Une pincée de sel. On met en cuisson. Et on va laisser se faire la nature. Tout ça va se mélanger. On ne mélange jamais les oignons. Tout ça va se dissoudre. Le beurre va fondre, le sucre va fondre. Et ça va créer beurre, sucre, comme un petit caramel, qui va venir se mettre autour des oignons et qui va les glacer. On laisse le temps de cuire, à tout de suite. Une petite trentaine de minutes. L'eau s'est évaporée, a laissé place au sucre, au beurre, pour faire un léger caramel, et sans le colorer, a donné une luisance à l'oignon, qui fait comme une petite couche de glace. Donc, oignons blancs glacés. Ils sont cuits, ils sont prêts à être mis de côté pour pouvoir accompagner une blanquette de veau ou tout autre plat à sauce blanche. On fait très attention parce que c'est un aliment qui est très délicat lorsqu'il est cuit. En l'occurrence, là. Voilà. Petits oignons à blanc, réservés pour être placés dans une bonne blanquette. Et puis même, je vais vous dire, à consommer comme ça, c'est une tuerie. Les petits oignons glacés à blanc, on les a fait. Maintenant, j'ai laissé un cuire un peu plus, avec un peu plus de feu, sans hésiter de temps en temps à mouiller un peu. Vous m'entendez ? Pour éviter que ce soit trop noir. Et donc, du coup, on a les oignons qui brunissent. Et donc, ils vont devenir couleur un peu caramel. Ce qui va nous faire des petits oignons cuits à brun pour pouvoir mettre dans les sauces brunes. Bourguignon, sauté de bœuf, sauté de veau maringot éventuellement, parce que même dans les sauces rouges, ça le fait. Enfin, vous voyez. Là, après, on n'est que dans la surveillance. Regardez-moi ça. Super bon. Ça crée une toute petite pellicule autour de l'oignon qui est à croquer. Alors, les amis, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?